Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec des chevaux que vous ne connaissez pas encore, sauf si vous me suivez sur Instagram. En effet, pour ceux qui me suivent sur mon compte Insta, vous n'êtes pas sans savoir que cela fait environ 10 jours que je ne monte plus mes deux poneys. Alors il y a deux raisons à cela. Donc pour Exter, c'est tout simplement parce qu'il s'est bloqué dans son box en se roulant, et donc je préfère qu'il voie l'ostéo pour le retravailler correctement. Et en plus de ça, les dernières fois où je l'ai monté, il s'est mis à passer la langue au-dessus de son mors. Il a donc vu le dentiste en fin de semaine et Akamas aussi en même temps. Pour Akamas, par contre, c'est une autre histoire. Il y a 15 jours, le maréchal est venu pour le parer comme d'habitude, sauf que 3 jours après, il s'est mis à marcher sur des œufs, puis à carrément boiter. Au début, je pensais à un abcès, mais c'était de pire en pire, avec même les deux antérieurs complètement chauds au niveau des pieds. La véto est bien sûr venue, on l'a mis sous équipe à la zone pendant 6 jours, mais aucune amélioration. Puisqu'il n'était toujours pas carré après ce traitement, la véto est revenue hier pour lui faire des radios, et nous avons découvert qu'il faisait un peu d'arthrose sur la face interne de ses boulets. Il va donc falloir que je le refaire avec une ferrure spécifique, mais en principe, il pourra reprendre le travail d'ici quelques jours. Bref, du coup, comme j'étais à pied, j'ai eu la chance d'avoir de gentils propriétaires de mes écuries qui m'ont prêté leurs chevaux pour que je puisse continuer à monter. Il y a d'abord eu la belle et grande Uccella, que vous avez déjà vue sur ma chaîne YouTube, puisque je l'avais déjà prise lors d'un petit concours interne aux écuries. Donc j'ai monté Uccella 3 jours de suite, en dressage, et je l'adore vraiment. Pourtant, je ne suis habituellement pas à l'aise sur les chevaux, mais elle, elle est vraiment super agréable à monter. Donc voici un petit extrait d'une des séances que j'ai fait avec elle. J'ai ensuite eu l'occasion d'essayer Kiss Me pour la première fois. Elle a été adorable et j'ai beaucoup aimé la monter sur le plat. Elle ne travaille pas beaucoup, donc j'ai juste fait une petite séance de 15-20 minutes, en terminant quand même par quelques épaules en dedans et session au trot. Je vous laisse donc avec un extrait de la séance. Hey.
Et pour finir, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de monter Pyriam, un petit trotteur. Je l'avais déjà monté une fois en fin de séance pendant 10 minutes à peine. C'était donc la première fois que je le montais réellement. Et franchement, pour un trotteur, il est vraiment agréable, même au galop. Bon, sauf à main droite où il est un peu plus dur. Mais dans l'ensemble, je me suis bien amusée sur lui. Et j'ai même fait quelques épaules en dedans et sessions au trot en fin de séance. Je vous laisse donc voir tout ça en images. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires avec qui vous trouvez que je vais le mieux, donc Uccella, Kiss Me, Craig ou Pyriam. En tout cas, je remercie vraiment tous les propriétaires de mes écuries qui me font 100% confiance pour me laisser monter leurs chevaux pendant qu'ils ne sont pas là. Voilà, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.